Bonjour. Téléphone connecté. Ça va, ma poule? Je suis je suis pas dans un petit village, je me suis raté pour boire un coup parce que j'avais super soif. Tu m'entends là? Ouais. Je veux dire, je suis sur la route des lacs. Le GPS, il me dit que je devrais. Tu m'entends? Le GPS, il me dit que je devrais arriver vers 13h30. Ouais, je t'appelle. Allô? Je vais arriver, oui, par... oui, par... j'arriverai de la Salvetta, en fait. Sur un... Ok. Oui, oui, je suis arrêté, ouais. Alors attends. Et voilà, c'est là que ça a merdé, une fois de plus. Mais ce coup-ci, c'est pas à cause du GPS. C'est la faute de mon pote qui m'a fait faire un détour et du même coup, il m'a fait louper la route des lacs. Alors qu'au final, bah, c'était pas nécessaire. Tout ça parce qu'il ne connaît pas sa géographie locale. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Ouais, bon, ça va, c'est vrai que j'aurais dû vérifier. Au contraire des politiques et des journalistes, la mauvaise foi est un signe de bonne santé mentale chez le motard. Je suis donc en très bonne santé. Et puis bon, je fais ce que je veux, hein. C'est ma vidéo, c'est mon histoire et c'est mon pote. Mais je vous rassure, avec ce détour... À cause de mon pote, donc, je n'ai finalement pas perdu au change. Patience, vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Je vous expliquerai tout. Pour l'instant, revenons là où nous en étions dans l'épisode précédent. J'étais donc parti de bon matin de Verniolles, en Ariège, direction les coteaux du Haut-Languedoc. Donc belle étape aujourd'hui. Via la magnifique citadelle médiévale de Carcassonne. Puis j'ai fait ma pause café dans une agréable aire de repos avant d'attaquer les montagnes noires et atteindre Mazamet.
route des lacs. Pont de l'Arne. Ouais, en route pour la route des lacs. Ça sent bon les vaches là. Ça sent bon la ferme avec des vaches. Là, la route elle est un petit peu en moins bon état là. Mais bon, ça va. Ouais, c'est magnifique ici. Hein. Oh super. Ah là vous pouvez pas sentir par la vidéo évidemment, mais je vous garantis que l'odeur déjeuner là. Ah là, c'est merveilleux. Il y a vraiment des parfums. Là. Magique. Moi bon, j'ai une petite soif là, il faudrait que je trouve un endroit pour boire un petit coup. Allez. Ça va ma poule ? Bon, là, il faut que je vous explique. Passé les montagnes noires, j'avais prévu de prendre la route des lacs dès la sortie de Mazamé. Un itinéraire prometteur, en passant par la Salvetat-sur-Agout dans l'Hérault, pour arriver à Saint-Gervais-sur-Mare, le village où nous avions prévu de manger dans une pizzeria tenue par un couple d'amis de mon pote, Vincent. Enfin... C'est ce qui était prévu. Oui. Ben non. Il pensait finalement que c'était plus simple que je le rejoigne directement chez lui. Saint-Étienne. Destrochou. Estrochou. À Saint-Étienne-Estrichou. À 8 km plus loin. Sur la même route. Non. Si. Oh. Pour ensuite, revenir en arrière, à Saint-Gervais, pour aller à la pizzeria. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Bon, ça, ok, pourquoi pas. Mais quand j'ai rentré son adresse dans mon GPS, je n'ai pas vérifié où se situait exactement Saint-Étienne-Estrichou. Moi ? Vous ? Non, c'est... Oh. Le GPS m'a donc proposé un itinéraire plus rapide, mais plus long. Ce que j'ai accepté, en pensant que ça changerait rien. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Moi, je l'avais dit. Ça a tout changé, en fait. Ça m'a détourné de la route des lacs, et ça m'a fait passer par la Cône, dans le Tarn. Un détour, certes, mais la route était géniale. Alors... Ma biche, cela va s'arranger. Vous rêvez, Hubert. Pour ce qui est de la route des lacs, je la ferai au retour. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Premier coup de téléphone, deuxième de oh ! Mais il nous casse les couilles, là ! Ouais, ça va. On reprend la route, ne vous énervez pas. There are people.
Allez, c'est reparti les virolos. Salut mesdames. Elles se mettent à l'ombre, elles ont bien raison. Elles sont comme moi, le soleil, elles aiment bien le prendre à l'ombre. Boissé. Parc régional du Haut-Languedoc. Et je commence à avoir un peu la dalle. Mais là, je préfère ne pas manger. De toute façon, on n'a rien ouvert. Les bains. Wow. Ah, sans la capucine, il n'y a plus de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Oh putain, je suis à la cône. Imagine ça. Ok, bon, mais je vais reprogrammer le... Ouais, bon, mais c'est cool. Ok, à Saint-Gervais, à tout à l'heure. Ok, à toutes. Bon, du coup il m'a fait louper la route des lacs pour rien quoi. Ouais, c'est pas grave, la route était super cool quand même là. De toute façon, je suis vraiment trop content de le revoir. Et nous voilà arrivés, Saint-Gervais-sur-Marne. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Au revoir. Et good luck. Ciao. En tout cas, les virolos, là, au top. Hein. Ah, excellent, quoi. Super.